nous voulons parler de Joanel, nous voulons parler de Job, nous voulons parler de Kilik et député Anel Vélizet, entre autres. Parce que c'est ça qui fait plus parler, mais qu'on vend notre prisonnier, que moi-même, avec notre avocat, nous considérons comme prisonnier politique, dans la mesure où, eh bien, il était arrêté injustement, illégalement et arbitrairement. Je voulais parler de monde toujours dossier dans le cabinet d'instruction, monde qui était arrêté dans le cadre de l'affaire, qui était fait en juillet, en quoi 2017 là, ou 2018, je ne me rappelle pas. Des monde dans le monde qui est en prison toujours. Ok, mais c'est prisonnier politique, mais dans la mesure où, nous dit monde qui est venu avec un bagage, comme quoi il n'y a pas de capacité ou sinon moyen pour gagner un article ou sinon. Ils ont mettre dans mes on voit quelconque, depuis que nous avons avec un bagaille, c'est dans le pillage qui sont avec, et bien, en plus, dans mon bagaille, ils ont arrêté, et puis, ils ont trouvé dans la prison. Sauf que nous-mêmes, Miraille et Fénévis, n'ont pas arrêté pour la croiser à la vérité, et particulièrement pour le dossier Anel Belize et Joanel Job, entre autres. À la vérité, nous prenons plus d'engagement dans le dossier ça. Et moi-même, je dis, c'est un engagement patriotique, ou sinon un engagement civique dans la mesure où on n'est pas à chercher un leadership dans quatre prisonniers politiques. L'aime du leadership là, un leadership personnel. Écoutez, il y a un avocat qui bat en pile, qui relève Maître Hippolyte Ronald. Moi-même, Maître Lorenel, lui, Maître Maisonneuve. Ok, on peut gagner une requête conjointe. Nous t'es écrit, nous toutes siennes, nous font faisceau comme avocat. Eh bien, requête ça, nous t'es adressé là avec un juge d'instruction, qui fait Annie Finoulé, pour nous t'es dit, eh bien, d'après la loi, une instruction pas capable de durer plus que 3 mois. Nous estimons que le dossier ça a gagné plus que 3 mois. Définitivement, il faut qu'instruction finisse. Faut le voyer, et bien, dossier, non, parquet, pour capable, et pour pas qu'est capable de rendre réquisitoire définitif. Eh bien, à la vérité, qui s'accepte dans le cadre de dossier ça, eh bien, lui-même, lui voyer, un dossier, non, parquet, à la vérité, mais c'est un réquisitoire supplétif. Réquisitoire supplétif, la vérité, juge d'instruction estimé que libère plus d'informations par rapport à dossier, l'évoluement du parquet, supplément d'informations. Eh bien, nous-mêmes, ce qui s'en a fait, nous croyons que nous-mêmes, bataille par nous, c'est que tout ça capable, pour juge là capable de voir le dossier définitivement dans le parquet pour RD, réquisitoire définitif, mais lui-même, information que nous gagnons, que n'a pas la population, le cabinet d'instruction, côté n'a pas parlé là, eh bien, il dit l'attendre un rapport, nommé de CPJ, ok, et que l'écrit tout, direction générale et police là, dans le cadre pour ça, pour capable de gagner plus d'informations, et c'est laissé ça, lui-même, il prend le vol et dossier définitivement dans le parquet, pour ça, il est réquisitoire définitif. Maintenant, maintenant, on t'y campé là. Moi, ouais, aller ou faire, aller évident, aller important. Mais cependant, et vu que arrestation, Anel Baba, Job, il a trié, c'est une arrestation politique liée, est-ce qu'on va juger bon? C'est une réponse politique qu'a mette les gueux de l'eau. L'en considérer, Jacques Lafontaine, comme commissaire. Ouais, tout tonalito, moi, tout trajectoire tracé là, yo. C'est mon pouvoir à mettre, pour régler cause. Ou à combien de monde ça, c'est pouvoir, ou t'as pas de problème. Qui donc, pouvoir, moun, ou à parler de juge d'instruction, ou à parler de, chef parquet, et la fontaine qu'il a. Tout le monde ça, y'a sous contrôle palais national. Mais, moun ça, ou à parler là, d'accord pour faire des matchs, et juridiques, oui. Mais cependant, monsieur, pas d'ailleurs, si c'est pas une démarche politique qui vous fait, en grand monde, pour dehors, et sans quoi, monsieur, yo, je voulais braler avec fracas, mais yo, c'est où, regardez, yo, mon pouvoir,
comme on ne peut pas brûler le pouvoir de transition, qui va le mettre avec le puis bon, c'est grand matin, nous t'aimons pour dire, est-ce que ce n'est pas une réponse politique qui vous baille contre leader politique. Tenez bien ça, Bamdoula, là. Leader politique, avocat te qu'on engage, autant ou même comme fer de lance. Non, mouvement avocat, mettre mes honneurs, mettre Fonjil, mettre tout nous faire, tout avocat, il m'a été pour lever un mouvement, pour mettre pression, ouais, juge instruction, hein, ni paquet, hein, pour négocier d'ailleurs, sinon, c'est jamais de donner à tout le monde dormi, quand passé Covid-19 va s'engager pour son lot, n'a pas tout ça, nous du négocier. Ma fonte s'est complétée tout simplement avec intervention en Mirail, et mettre Lorraine, elle connaît. Il y a plusieurs juges. Ils ont consulté dans le dossier, ils ont tout à l'école. Tout le monde à l'école. Ils ont peur du dossier, puisque selon eux-mêmes, ce n'est pas le national qui lui-même a le droit de décider pour dire, mais ceci, mais cela. Et ce n'est pas en question de la justice qui a fait la vie. Pas de justice. Pas de justice. C'est une décision politique qui vous mettez. Même les gens sont entrés avec eux. Politiquement, moi, je pense que c'est. Ils ont sorti politiquement. Dans ce ça, moi pensais, Jean Bagay là et là, mettre le. C'est vrai, nous comprenons, ben, démarche juridique, légalement, démarche juridique, mais au fait, nous-mêmes nous faisons, je pensais que nous faisons tout ça, nous sommes capables, mais dossier a tellement un dossier politique, moi son j'ai un juge qui était sous dossier, qui était récit après le temps de dossier, finalement, les dix machines étaient en panne. Eh bien, machine, Kokabou. Ok, réponds-moi. Écoute, moi-même, nous d'accord avec nous. Dossier Anel Belize et consort, son dossier politique. Lui. Politique, clair. Moi-même, clair sur ça. Ouais. Ok? Et je ne sais pas quoi, il y a un avocat qui a dit le contraire. Si bien que nous connaissons son dossier politique, ouais, on fait son avocat. Ouais. C'est pas mettre Lorraine lui qui fait des actions personnelles dans le cadre de ça. Même son petit non bas où. Moi, vous mettre là l'Hippolyte, qui c'est avocat petit de Saline. Mettre Lorraine lui. Mettre mes honneurs de signer. Moi, je mettre Anel Rémi de signer dans le dossier ça. Nous tuons une requête pour nous faire des actions pour barrer la carrière plus force. Dans ce souci pour nous faire une libération, monsieur. Mettre Lorraine. Moi, ce maintenant là. Je dis mardi, moi, oui, vendredi, pour tout avocat, me content de cap de femme, positionner au clair. Et là, il y a passé là, non, bon, pour me positionner au clair, pour pas que je passe encore, semaine qu'a venu pour me donner des combats, essayer de régler. Ok. Mirail, pour moi, fini dans le cas d'intervention, ça, moi-même, avec mon avocat, n'a pas fait tout ça en capable, mais parallèlement, pour que mon vote fait tout dans la justice. Moi, je suis politique et ça va me sortir par là. Je suis leader politique pour assumer responsabilité. Pour que leader politique, oui. Il prend responsabilité dans la justice. Ça. Oui. Puisque nous-mêmes, les dossiers par contre trop compliqués. Nous ne sommes pas en train de faire ça. Oui, nous comme ça. Son dossier politique lié. En plus, dossier commissaire du gouvernement, son problème qui pour résoudre. Au fond, nous croyons dans l'autre, nous sommes capables de dire arrangement constitutionnel qui est pour faire. Ok? Ou sinon, amendement constitution, sinon l'autre constitution tout court. Pour changer l'appellation commissaire du gouvernement. Parce que, à la vérité, ça a posé problème. Tout commissaire du gouvernement, il a toujours peur pour perdre le job. Puisque il est nommé directement par l'exécutif. Regardez, qui dirige, qui dit, okay? Qui finance, gouverne, c'est oui. Pas le national qui met tout. Wap fait job li, est-ce qu'on va le faire job ou l'autre monde? Wap satisfait pas l'air. Ce que je voudrais dire définitivement dans le cadre de ce dossier, eh bien, nous prenons encore notre responsabilité. Personnellement, je prends encore ma responsabilité dans le cadre de ce dossier. Et puis, vous croyez que Jean Dilala, semaine ça, semaine 4-8-9, faut dossier à aller dans le parquet pour ça où les réquisitoires définitifs. Oui, réquisitoires définitifs, ça, bon, bon bagaille. Il peut aller, oui, mais maintenant,
Maisonneuve, mettre Mario Beauvoir, mettre Caleb Jean-Baptiste, tout monsieur qu'on parle avec, qu'on parle la parole ici, ya. Tout monsieur qui qu'on prend engagement, les bagages à la tête chaud. Eh bien, journée aujourd'hui, hein, situation compliquée pour nous, nous savons, des prisonniers de justice grave, des prisonniers cocap. Nous nous arrêtons au jour du soir, il y a plein de y a même nous mettons dans la chaîne, même dans prison, dans l'hôpital. Journée aujourd'hui, hein, pas de bon silence cimetière qui fait là. Qui t'aime deux mois après, ou a compris. Qui t'aime deux mois. Est-ce qu'on négocie aux citoyens haïtiens? Quand on a parlé là, il y a 14 ans, dans la prison, par exemple, passé devant le juge. T'as nous causé. T'as nous miracle. Quand on a parlé avant là, on ne peut pas cacher, c'est Maïs là où Nicolas. Qui va être comme. Pour nous capables de faire constat citoyen ça, dans la prison civile, quoi, des bouquets. Dans tout ce qui est capable de faire une action en habeas corpus. C'est Maïs là qui va être comme. Pour nous capables de faire constat. Citoyen ça, nous pouvons parler de dossier ça, monsieur Jean-Claude Joseph, il a arrêté 6 juillet 2006, nous en 2020, et bien pour que j'en passe devant juge, on bosse pas son, il a arrêté dans le cas de l'arrivage. Sans papier, sans dossier. Dans ce cas, nous avons du contrat avant. Ok, nous perdons du contact avec. Oui, bon, d'accord. Oui, où s'entendez ça nous dit là, c'est que, mettre léger, c'est que situation a compliqué. Covid-19 là, fait rage dans la prison, yo, et gon mauvaise utilisation de corona, dans l'État, et nous gagnons prisonniers politiques, yo. Au compte de ça qui fait mal, mettre dans ton, c'est que c'est moins là, et qu'on a recevoir moun, qui qu'on a metté moun yo dans la rue. Journée jodi a en pile moun militant jeune garçon en prison justement et nous avons un silence cimetière fait tant qu'au sous Canel Belizea, sous Kajob Baba c'est la trier et nous mandé côté avocat yo qui qu'on camper qu'a défendre nous c'est ça nous besoin qu'on est. Est-ce que n'a quitté c'est les usurpateurs de titre ça aller. Et bien, mettez-vous dehors les grandes transitions, ou du moins, en tout fait, qu'on y a. Pas moins d'une demi-douzaine de prisonniers politiques qui sont en prison dans la cour Ticoise. Et parmi eux, tu es un délégué ville, Fanny Lavalata, Patrick César, tu es un Jacquito, tu es un guerrier. Qui t'attendait? Tu es un bon lot encore. Mais c'est une douce répression était terrible à l'époque. Yeah. Il avait fallu l'intervention magistrale du sénateur Muray qui débarquait dans les organes, yeah. Qui remettait le peuple là dans la rue. Et en tant que bon colonel, en tant que bon chef de bande, les prêts de rembannant, il dirigeait directement la caille commissaire gouvernement Fouji Pierre pour dire, mon cher, on met 48 mandats déjà derrière. Militants politiques, ou arrêter Patrick César, ou arrêter Jacquito, ou arrêter Guerrier, ou arrêter François, pour le 49e mandat. Il est ça à l'unisson que va crier Jésus-Miraï, et nous passer que le commissariat, nous parcourir les différents quartiers de la société, eh bien, ça nous dit que, avec Kouba Kopsa, et avec un précieux concours tout, de mettre Maisonneuve, de mettre Caleb, de mettre Palvin, de mettre Mario Beauvoir, tout collègue ça y est, tout confrère ça y est, eh bien, sans papier, mettre Cicéron, eh bien, qui a gagné monopole de Sénamani, mettre la vie sérieusement, mettre la base, eh bien, nous dériver et libérer prisonniers politiques panoyaux au niveau de l'Irogane, au niveau de Petit Coin. Mais, nous ne sommes pas sans savoir. J'ai 350 à 400 eh bien, militants qui sont en prison un peu partout à travers le pays. Et c'est une véritable chasse aux sorcières. C'était ou bien tous les militants ou bien flanqués ou en prison. Et une arrestation spectaculaire qui pourra le faire. Et bien, c'est lorsque Nègre a arrêté de façon illégale et arbitraire. L'ancien député Arnel Belizère, mais t'as pas l'arrêté Gary et Philemon, mais t'as pas l'arrêté Kinnick, mais t'as pas l'arrêté Mackenton
et stérile. Il t'a arrêté Paul Joseph alias Babas. Il t'a arrêté Jean-Pierre, et bien, Florent alias Job. Et je vous l'ai dit, hein, on a dit que, eh bien, M. Sayo, ils ont encore croupi, ou bien, dans la pénitentiaire nationale, ou bien, eh bien, dans la prison et quoi des bouquets. Alors que, arrestation, c'est clair, arrestation, c'est illégal et arbitre, et nous dit ça, qu'ils ont compris que, ou au mandat, qui fait non juridiction pour tout le monde, ou à l'arrêté, n'est pas dans l'autre juridiction. Deuxièmement, ou toujours les âmes dans la machine, pas même la présence du juge de paix, pour qu'il constate et verbalise, est-ce que les âmes dans la machine, et mettre les âmes. Ou à le faire, perquisition la carrière députée Bélizer, alors que, pas de gagner, un mandat de perquisition dûment émis, et n'est pas le juge d'instruction. Donc, sur toute la ligne, arrestation, faillot, illégal et arbitraire, et même les gens qui ont arrêté les gens, c'est même les gens qui ont été libérés. Et l'en garder pour nous, lenteur, justice, nous n'avons pas de gens célèbres, et bien, dans le Qatar, lorsque nous n'avons pas moins de trois juges d'instruction, et bien, sous le dossier, et bien, nous voyons que, pour qu'on gagne une véritable destruction, qui fait côté que, pour que, t'as gagné, yon, décision, ordonnance de juge d'instruction, qui n'est pas doué l'autre bagaille, qu'une ordonnance de non-lieu. Parce que, jusque-là, tout le monde d'accord que l'arrestation, ça y est, c'est l'arrestation politique, il n'y a pas gagné à revoir avec le droit. Voilà pourquoi, sénateur, voilà pourquoi, monsieur Esaü, je me suspends totalement à vos lèvres pour que, d'ici cette semaine, eh bien, tout avocat qui a défendu le peuple là, tout avocat qui dit mettre ensemble, tout avocat sans qu'il n'y ait pas besoin ni frère ni honorette qu'on a dit de défendre toute prisonnier politique, eh bien, qu'il reforme ce faisceau inexprimable pour que, eh bien, à l'unisson, eh bien, nous demandons libération, eh bien, député Bélizer, nous demandons libération. Gary Filemon, nous demandons libération Kilik, nous demandons libération Washington, nous demandons libération Babas, nous demandons libération Job, même Jean, nous demandons libération tout prisonnier politique qui est éparpillé un peu partout à travers les prisons d'Haïti. C'est ça. Bon, parce que c'est vraiment important maintenant. Mais bon, comme dossier ça, nous n'a faut quitter, nous posons l'autre question quand même qui en dehors de dossier ça, puisque nous pensons que déjà oui, pour ce maintenant, pour ce maintenant, pensons que déjà clair avec ça, parce qu'on dit pour ce maintenant, on va loin, dans qui mesure capable réunir ta tout avocat qui est dans dossier ça. Et maintenant, je dis à la grande situation n'a vive dans pays. Côté que toute institution nous gagne dans pays a fin grasé. 28 juillet qu'a venu là, pas bien ASEC, pas bien Kazek, pas bien délégué ville, pas bien magistrat en d'autres thèmes. Donc à dit collectivité territoriale là, tu as dit presque bon, disons pas mal, on pas là, on pas là. Aujourd'hui à la gouvernement de facto, tout ça qui a fait c'est AI. Bon, comment comprendre une situation ça même mettre dans ton pays là? Et tout pour nous sur question décret. Décret dans moi. Chut, attendez. Et déjà, budget dans moi. Budget dans moi. Budget dans moi. Déjà, on a dit que on a évolué là, ça fait longtemps, dans le pays de nos droits. Tablier, constitution de 1927 là. Chut, attendez. Les prévoir pour bon fonctionnement de l'État, un exécutif bicéphale. C'est-à-dire un exécutif à deux têtes qui gagne un président de la République qui est chef exécutif là, et qui gagne pour un premier ministre, qui est chef gouvernement, et à côté du pouvoir judiciaire là, il vient nous avec un parlement pour contrebalancer le pouvoir. Et on voit que le président Jovenel Moïse s'est déjà arrivé dans une situation pour que ce n'est pas un décret que nous dirigeons, pas fait un rien pour organiser l'élection de le pays. Octobre dernier, c'était doué les législatives qui d'abord le permettre à ce que les députés gagnent de nouveaux députés qui viennent dans le 51e, même si tout était renouvelé, eh bien, Sénat républicain.
n'a pas fait ça. Chita, on est déjà arrivé dans une situation, on était que pour être dirigé par décret, on était déjà arrivé dans une situation, on était que, eh bien, le seul lien est à bord, on était déjà arrivé dans une situation, pour nous capables de retrouver, et bien, sur un gros boulevard, on était que le cabinet avec n'importe décret, etc., pour nous dire 5 millions de dollars de l'Union, quand on fait la terminer, il y a une dégâts suspicite. Quand on monsieur ça a eu une dégâts suspicite dans la Kaeli, décret ça a dit qu'il était pour le meilleur, qui est bon pour aller. Chut, attendez. On prend le tribunal de paix, on dit c'est lui-même qui est compétent, rationné matériel pour connaître de toute contravention qui est arrivée pour non-respect décret et la ça. Chut, attendez. Ou bah la tradition pour que en fait mairie dans une zone décidée de qui peine monde capable de bien, qui peine monde capable encourir, et nous même pas des travaux forcés, or des travaux forcés ne compètent pas au tribunal de paix, ça concerne carrément le tribunal criminel, et en plus, le tribunal de paix ça a ou dit c'est 5 monde pour qu'il ait la donne. Il est la psyche. Au moyen des policiers, au moyen des avocats de parti, des partis, nous sommes dans 6 mois pour même parler de juger avec des filles. Donc, c'est un décret morné, c'est un décret scélérat, c'est un décret côté qui à la base, qui va tremper soin, voilà pourquoi, dans le micro, sénateur, dans le micro, monsieur Esaïe, on t'a dénoncé, eh bien, décret ça, et nous m'en dit, pour faire vivre la nation avec avocats en tête, les forces organisées de ce pays, dénoncer par devant la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, par devant le tribunal compétent, dénoncer décret ça, en façon que pour décret ça frapper de l'unité absolue d'ordre radical. Et on va voir que ça a été besoin de faire. C'est besoin, c'est lui de faire nous, j'ai dit à 3 mois de la fin de l'exercice fiscal, côté qu'il n'y a pas de crise de toute la jeune guinée. Il y a une première avec un budget qui est plus que criminel pour non seulement justifier l'argent qui est en manger, l'argent qui est en voler. D'ailleurs, 3 mois de l'été à la partie du 13 septembre, et le budget n'est pas qu'à exister encore, il n'est pas opérationnel encore. Les cousines et bonnes bonnes avec un article 10 ou pas complètement dans le budget là. Côté que nous tombons de n'importe où, nous avons bien, bah, il y a un coup, et du coup, nous avons gagné vite traité. Or, moi, quand on est vite traité, il était réservé à des officiels, il était réservé à des gens qui sont importants dans le pays, hein, mais pour gérer la sécurité, pour protéger. Eh bien, l'État a accepté Bayo, vous pouvez intervenir dans n'importe quel contrôle, n'importe quel volet, on est capable de débarquer, et puis on va aller l'autorisation pour bien vite traiter, et à partir de ce moment, on est capable de faire, eh bien, kidnapping, on est capable de faire, eh bien, pour les actes, on est capable de faire vol, j'ai envie de dire, gardez pour eux, un budget, l'État doit concerner tout pays. Dans le cadre d'un budget normal, un budget sérieux, et de faire viser la décentralisation, faire viser la déconcentration. Non, ouais, il n'y a pas fait élection pour que le budget ne pas passer au crime, ne pas passer au crime. Eh bien, l'Assemblée nationale là, parce que pas nous d'accord que le budget. C'est l'émanation, c'est l'exclusivité de l'exécutif. C'est ça, il y a des budgets à loi de finance. Et loi de finance là, sont projet lié, mais pas qu'à une proposition. Et ça fait que ni député ni sénateur, même si on a une initiative faire loi dans le pays d'Haïti, mais il n'y a pas qu'à plancher ce budget-là. L'initiative va bien appartenir exclusivement à l'exécutif. Mais attention, ou après, les sénateurs prévoient pour que le budget
lors même que c'est exécutif qui produit, mais fait passer au PNC de l'Assemblée nationale, qui peut décider à sénateur des possibilités pour que nous réagissions et que nous sans que ce passe la journée aujourd'hui, hein, pas des députés, pas des sénateurs, mais si on est fini, on fait budget, ou pas même qu'on est qui est consulté, ou pas même que c'est un économiste du roulement qui est consulté dans quatre bagailles budgétaires, ou pas qu'on personne qui est consulté, il vient avec budget, et les n'a pas de budget, nous, on nous compte. C'est pour de 71% en d'un budget, eh bien, qui est concentré dans l'Ouest, pour ne pas dire concentré dans votre presse. Donc, ce n'est pas un budget qui tient compte de sa monnaie de décentralisation et en quelle déconcentration. Monsieur, dame, le pouvoir de caler, oublier, que nous avons une situation, côté que vous avez dit, plus de 73% de la population a fait besoin de la même école. En élu, la population a plus de 73%. Eh bien, il y a eu un caca. Alors, si on a vu que pas gagné prix ou à vous, c'est docteur Jumbo Félix qui a fait ce qu'il disait, il y a eu tout ça. C'est ça, eh bien, il y a eu un sens en bail. Mais quand il y a eu la caille pour le développement de l'organe qui était coordonné, eh bien, il y a eu un mouvement de ressourcement. Avec un général Walden Joseph en tête, when c'est 81% de la population qui a fait besoin de la même le sol. Pour me répéter toujours, docteur Jean Félix, médecin de son état, j'étais dans tous les noms provinces, même si j'ai vu, et dans l'hôpital, dans la zone, nous sommes en bonne maladie en train. Une maladie dans ce corps-là. Même si on a des états de guerre, on ne peut pas parler. Mais, à la question de mon nom, ou par contre, pas passé, consentement de mon nom de parce que quand on a fait la boîte à terre, il a fait deux ans à même temps. On pique et pique au nom de par contre, comme on a dit, on a dit, on a dit, c'est pas sérieux, hein? C'est quand même pas moins de 20 000 monde, hein, qui mourit dans la choléra. Net malheureux, sans pis d'effort, conscient de ça. Net bel éternel là tout, comment il s'appelle encore? Éric Jean-Baptiste. Éric Jean-Baptiste, vous conscient de l'empile d'effort que monsieur fait. Vous comprenez? Mais, vous pas senti où on l'état, vous pas senti que le gouvernement qui a bataille, qui a boumé, vous permettre à ce, c'est pas une justice. Vous savez, j'ai des députés, vous savez, des députés, monsieur Esaïe, vous quittez Port-au-Prince. On est venu à Washington avec monsieur Dambam dans l'international, docteur Dorsey et autres. Nous allons à New York. En voiture pour aller à Washington. De Washington, nous allons à Boston. De ça, c'est docteur Ford Sida qui vous a dit que nous recevons. Nous allons rencontrer l'avocat Esbon. Nous chita, nous posons des problèmes et à ce côté-là. Et malgré tout, on va prêter jusqu'à présent. Victimes, ils ont été victimes. Gardez le budget, ça a plus qu'un budget criminel. Attendez, sénateur, attendez, monsieur Esaïe, c'est pas moins de 115 groupes, nous devons le dire, pour un dollar américain. La déflation tellement galopée, il y a 22,7%, oui. Nous avons balance commerciale qui crase le net, oui. C'est pas moins de 9 300 000 haïtiens qui vivent dans la pauvreté extrêmement, oui. Pas de l'hôpital, pas de l'école communautaire, pas de l'école nationale, pas de l'école professionnelle. Mais c'est 15% de l'école bien. Toutes les choses, c'est l'école privée, oui. Secteur primaire a crasé. Secteur secondaire, eh bien, on dit que, oui, pas qu'on peut soigner. Secteur tertiaire, il est asphyxié. Rien dans cette situation que nous retrouver. Et aux hommes des haïtiens et des haïtiens qui viennent avec un budget, on se crée, ne pas tenir compte de un quel problème ça y est que nous sommes dit là, c'est tout pour nous constater. Nous sommes en train de venir en budget, eh bien, qu'à durer seulement 3 mois, et que toute la Europe qui vient en termes de prévision, nous sommes en train de prendre pour les affaires, et puisque on connaît, le 7 février 2021, il y a obligé à aller.
puisque on connaît le 2021 pas de route à bois, puisque on connaît le 2021 pas de boublai, pas de continuai, et pour les gens qui vont bailler rapidement, sénateur, pour les gens qui vont bailler. D'accord, ma tonne là. Qu'est-ce que vous avez eu? Oui. Mais allez. Vous m'êtes allé. Eh bien, on dit, à côté de la Constitution du 29 mars 1947 amendée, à côté de nombreux précédents, côté que sénateur 49e, député 49e, sénateur député 49e, dont moi-même qui suis entré dans la Chambre des députés en juin 2011, qui t'a pas obligé de quitter, eh bien, pas en juin 2015, mais bien le 7 février 2015. Parce que, moi, c'est 92, je suis censé dire, que je sois exactement prié, mon dame a commencé à courir à partir de la élection qui est organisée. Tout à l'heure, le sénateur Moïse, qui est élu pour 6 ans, bien avant, pour avoir dit que côté tout ça qui est en amène, pour le matériel qui est à remettre. Parce que, je dis, madame prend fin, même si nous avons été un an, c'est 5 ans fait, mais nous avons accepté, eh bien, aller dans l'élection sous l'Empire, ou la Constitution de 1987, et dans l'article 95, lui, dès quelque soit l'heure, montrer dans le Sénat comme sénateur, eh bien, madame a commencé à courir, eh bien, à partir de date d'élection qui gagnait pour y organiser. Alors, ne sont ça, mais d'autant pas gagné ni doublai ni continuaille. Pas gagné ni doublai ni continuaille, mais d'autant. Pas de doublai, pas de continuaille. Et nous allons dire, oui. On conclut, mais d'autant. Mais c'est quoi, c'est la peur? Pas de doublai, pas de continuaille. Pas de doublai, pas de continuaille. Article 239, décret électoral. Si t'as pas ouvert, en fait, le gouvernement est venu président, il est clair, oui. Il dit carrément, clairement, c'est 7 février 2021 que madame se finit. Et puis, c'était le décret électoral du 2 mars 2015. Et à côté de l'arrêté présidentiel, arrêtez ça, monsieur Esaïe. Arrêté présidentiel, ça a été publié le 30 mars 2016. Qui ça a été dit? Eh bien, c'est un arrêté présidentiel. Eh bien, publié le 30 mars 2016, qui va nommer tout membre conseil électoral provisoire. Et l'union considérant, qui ça considérant dit, considérant qu'il y a lieu de nommer les 9 membres du conseil électoral provisoire CEP en vue de la poursuite du processus électoral entamé au cours de l'année 2015. Et conformément à l'accord du 5 février 2016, qui mentionnait, pour l'item numéro 60, mercredi 30 mars 2016, il y a l'ombre de doute que le président Jovenel Moïse perd sa tête et face de quitter le pouvoir le 7 février 2021. Les gens se disent à l'heure à l'unisson, pas de poublai. À partir de 7 février 2021, eh bien, la Constitution va se préciser et les habitants de la vie nationale, y compris la diaspora, véritables de cette véritable transition pour que cette nouvelle Constitution, pour que la diaspora vive chita, pour que la diaspora a voué 3 milliards de dollars américains par an de pays. C'est une place réelle de la gestion de la République. Pour une possibilité de vous faire procès pétro-qualité, pour vous faire procès massacre-cassadie, pour vous faire procès massacre-télé, pour vous faire procès massacre-cassoufeuille, et qui dit, nous pas besoin pour vous faire procès, et bien, et tout, parce que c'est sûr que vous voyez, c'est vous les gens du Covid-19 là, et des conditions, de vous barrer, c'est une question vraiment catastrophique.